Bien le bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Alors, cher mari, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratignée, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? Rien de spécial. Je suis allé bavarder à la taverne avec mes camarades. Il y avait un voyageur qui nous a raconté les événements de ce monde et je n'ai pas vu le temps passer. Bon, j'espère qu'il ne t'a pas mis des sottises dans la tête. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivé en ville dernièrement. Tu crois qu'il m'apprend à me battre à l'épée, c'est ça? À quoi ça me servirait au village? Je ne te mens pas, maman. Bon, si tu le dis. Ce n'est pas que je veux être indiscrète. Mais tu sais que ton père voit ce genre de choses d'un mauvais œil. Papa est fâché que je me sois levé tard. On peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig. Il ne se fait plus très jeune, et ses vieilles articulations l'élancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Est-ce que Mathieu et Fritz se sont passés me chercher? Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être en vadrouille dans les tavernes, comme d'habitude. Mathieu et Fritz ne sont pas des poivreaux. Est-ce que j'ai dit ça? Si ça me dérangeait vraiment que tu ailles boire une bière en leur compagnie, j'y aurais mis un terme depuis longtemps. Moi aussi, j'aimais m'amuser à ton âge, tu sais. Et ton père était loin d'être un ange lorsqu'il vivait à Kuttenberg. Ouais, c'est ça. Tu ne me crois pas? Mais demande-lui toi-même. Pourquoi pas? Henri, tu n'es plus un petit garçon. Il est temps pour toi de te comporter comme un homme. Hier, tu as promis d'aller aider ton père à la forge. Si au moins tu te rendais utile et tenais tes promesses, tes petites embrouilles m'importeraient peu. Mmh.
Viens là, j'ai besoin de toi. Tu es levé? C'est déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig, et j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois, sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file, le travail n'attend pas. Je ferais mieux d'avaler un morceau. Je commence à avoir faim. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage! Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux! Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Je sais que votre vie n'est pas facile. Votre femme vous a quitté, la picole est chère, et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée. Pas étonnant que vous soyez à sec. Mais je ne repartirai pas les mains vides. Si j'avais quelque chose à te donner, je le ferais, mais c'est pas le cas. Alors laissez-moi tous tranquilles.
Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien à faire ici. Faites un peu attention. Je ferais mieux d'avaler un morceau. Je commence à avoir faim. Un coffre fermé à clé. J'aurais besoin d'un crochet. Peut-être que Fritz en a un sur lui. Filez tout de suite d'ici, vous n'avez pas à vous trouver là. Voici votre monnaie. Merci. Non mais qu'est-ce que j'entends, Germain? Tu insultes notre roi? Quelles insultes? Je ne dis que la vérité. Sigismond a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi? Et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu te garde, Henri. Toi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il? Le germain déraille. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Mon régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohème du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins.
Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut ? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz ? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou ? Tu veux finir au pilori ? N'écoute pas, Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais ? Celui juste à côté de sa maison, fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer ? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri ? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Hadzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, tu nous suis ? D'accord, je vais le faire. Mais ensuite, vous allez devoir me donner un coup de main. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Kounesh doit de l'argent à mon père et refuse de le rembourser. Je suis allé lui parler et il n'a rien voulu entendre. Donc, on va devoir employer la manière forte. Mais je n'y arriverai pas tout seul. T'inquiète pas, on va t'épauler dès qu'on aura fini de badigeonner la maison du Germain. Je serai ravi de m'occuper de ce poivreau. C'est parti, allons-y pendant qu'il est assis bien au chaud à la taverne. Alors, on le fait ou pas ? Attends, on doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi ? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils ? Ça pose problème ? Bien sûr. Henri, va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi ? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. Voulez-vous, jeune homme ? Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornettes ? Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Mon Dieu, mais quel idiot ! Et après ça, ce sera les pas. J'ai cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Attendez-vous, soldats ! Armez ce trébuchet ! Pour le roi et la patrie ! Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismund ! Wouhou ! Merde à tous les germains ! Bande de gueux ! Qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Hé, Hans ! Tu vois pas ?
On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismond. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbyszek? Est-ce que tu prends la défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Connard, ça tu vas me le payer. Bon sang, les garçons, à quoi vous jouez? Vous tenez tant que ça à vous attirer des ennuis? Le Germain était insultant envers le roi Venceslas. Il a eu ce qu'il méritait. C'est donc ça. Le Germain n'est pas un mauvais bougre, mais il devrait arrêter de glorifier Sigismond avant que quelqu'un ne brûle sa maison. Et ce n'est pas un problème si nous... Ne reste pas là comme un écureuil empaillé. Tu crois que j'aime les Germains? Je sers mon seigneur qui sert le roi, à savoir Venceslas. Et que faire de toi maintenant? Le Germain va faire des histoires si je te laisse partir. Je ne vais pas aller en prison. Ah! Qui va payer ta tambouille? Tu sais quoi? Le Germain a eu ce qu'il méritait. J'en toucherai deux mots à ton père et nous mettrons les choses au clair. Maintenant, file avant que je change d'avis.